enfermé depuis 14 mois. 14 mois dans une prison étrangère. 14 mois sans voir un visage familier, abandonné par la direction d'Alstom, ignoré par Patrick Cron, oublié par son pays. 14 mois à se demander quand tout cela prendra fin. Comment cet homme, haut placé au sein d'Alstom, a-t-il pu tout perdre du jour au lendemain? Pourquoi est-il ici? Qui sont ces hommes qui l'interrogent avec insistance? Que veulent-ils lui faire avouer sur son entreprise? Bonjour. Cet homme, c'est Frédéric Pierucci, un ancien haut dirigeant d'Alstom, accusé de corruption pour un marché gagné en Indonésie 10 ans plus tôt. Son arrestation, à la demande du Department of Justice américain, le fameux DOJ, va et bien évidemment exercer une pression forte sur Patrick Cron et faciliter la vente du champion national français Alstom Power à l'américain General Electric. Lors du ciné-débat organisé début 2022 par l'association CELIE du Master Intelligence économique de l'IAE de Poitiers, Frédéric Pierucci revient sur ce piège américain. Ce piège est extrêmement bien huilé. Aux États-Unis, tout le monde travaille ensemble. La Maison-Blanche, le département d'État, le département du commerce, les services de renseignement et les grandes entreprises. Et tout ça travaille ensemble depuis des années et on réussit à monter en fait ce qu'on appelle, ce que des militaires américains ont appelé dans les années 90 la lawfare, la guerre par le droit, parce que c'est beaucoup plus facile de déstabiliser des entreprises, de les racheter en utilisant le droit qu'en utilisant d'autres choses. Je vous explique un peu comment fonctionne le piège. Lorsque une entreprise est sous enquête des autorités américaines, les autorités américaines demandent à ce que l'entreprise coopère. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire coopérer avec la justice américaine? Vous avez une idée un petit peu? Okay, alors je vais vous expliquer un peu comment ça marche. Les Américains vont avoir collecté des informations sur une entreprise française, on va dire voilà, Alstom, comme quoi Alstom a fait, on va dire, de la corruption en Roumanie. D'accord? Les autorités américaines vont convoquer à Washington le PDG du groupe ou son directeur juridique et vont lui dire, voilà, on a collecté des preuves comme quoi votre entreprise a fait de la corruption en Roumanie. On ne peut pas vous dire ce qu'on a, mais on a vraiment des preuves accablantes comme quoi vous avez vraiment fait de la corruption en Roumanie. Et donc, comme monsieur le PDG, vous êtes une personne éthique, vous voulez bien évidemment faire toute la lumière sur ce que s'est passé en Roumanie. Donc, ce que vous allez faire, monsieur le PDG, vous allez embaucher un des grands cabinets d'avocats américains de la place, de Washington, pour faire une enquête interne. Alors, une enquête interne, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous allez embaucher un cabinet d'avocats américains qui va faire une enquête sur vous-même. D'accord? Et vous allez le payer. D'accord? Vous allez payer quelqu'un qui va enquêter sur vous. D'accord? Et là, vous avez deux choses à négocier avec les autorités américaines. Première chose, vous allez négocier le périmètre géographique de cette enquête. Donc, vous allez dire, OK, peut-être qu'il y a de la corruption en Roumanie, donc je vais enquêter sur la Roumanie. Vous dire non. Si vous avez fait de la corruption en Roumanie, vous avez certainement fait de la corruption autre part. Donc, vous allez faire une enquête mondiale sur toutes vos filiales dans le monde. Donc là, il y a un gars qui commence à compter les dollars. C'est le cabinet d'avocats américain que vous allez embaucher. D'accord? Parce qu'une enquête mondiale sur un groupe comme Alstom, vous imaginez un petit peu les frais juridiques que ça va encourir. La deuxième chose que vous allez devoir négocier avec eux, c'est le périmètre temporel de l'enquête. Vous allez dire, OK, il y a peut-être de la corruption en Roumanie il y a 3 ans, donc je vais faire une enquête sur les 3 dernières années, certes mondiale. Ils vont dire, non, vous allez faire sur les 10 dernières années. Ah bon? Vous allez dire, mais attendez, il y a prescription au bout de 5 ans sur votre loi Foreign Corrupt Practice Act. Ils vont dire, on s'en fout. On s'en fout de la prescription. D'accord? Nous, on veut monter sur les 10 dernières années. Et donc, vous allez vous-même, pour nous donner un bon gage de coopération, vous allez vous-même signer un papier comme quoi vous renoncez vous-même à la prescription. D'accord? Et toutes les entreprises le font. Toutes les entreprises signent un papier où elles renoncent d'elles-mêmes à la prescription comme gage de bonne coopération avec les autorités américaines, parce que le procureur, c'est celui qui va pouvoir décider du montant de l'amende que vous aurez à payer. Et donc, il y a un beau livre qui s'appelle « US Sentencing Guidelines », qui définit non seulement les peines de prison pour les personnes, mais aussi les amendes pour les entreprises. Et dans ces guidelines, en fait, on vous explique que celui qui a le tout pouvoir, c'est le procureur.
C'est le procureur qui, en fonction du degré de votre coopération, peut décider d'abaisser votre amende de 50%. Donc 50%, c'est peut-être 500 millions de réduction d'amende. Donc tout le monde veut montrer qu'il coopère avec les autorités américaines. Et donc vous retrouvez à devoir faire une enquête mondiale sur les 10 dernières années. Donc celui qui compte vraiment les dollars, là, c'est qui? C'est encore une fois le cabinet d'avocats américain. Parce qu'ensuite, ce gars-là, il va venir, ce cabinet d'avocats, il va venir avec des équipes de forensique et il va se plugger sur tous vos systèmes informatiques. Et ils vont downloader tous les contrats que vous avez sur les 10 dernières années de manière mondiale, toutes les transactions financières, tous vos contrats, notamment avec des agents, des intermédiaires commerciaux, enfin votre réseau commercial, tous les emails échangés entre tout ce beau monde, d'accord, sur 10 dernières années. Ensuite, avec l'équipe de forensique, par mots-clés, ils vont essayer de trouver les documents sur lesquels ils sont intéressés. Donc, ils collectent des millions d'informations. Dans mon cas, ils avaient collecté 1,5 million d'emails. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Donc lorsque je me suis retrouvé dans cette prison, dans les premières semaines, j'ai demandé à l'entreprise de me transférer tout un tas de documents pour que je puisse me défendre. Donc j'ai demandé à l'entreprise de me transférer 4 documents. Un, les chartes d'organisation de 2003, donc 10 ans avant, 10 ans après avant mon arrestation, hein, pour savoir qui rapportait à qui à l'époque. Deux, les copies des procédures internes de sélection des intermédiaires commerciaux par qui avaient soi-disant transité les pots de vin. Trois, il fallait 13 signatures dans le groupe pour approuver la rétention d'un seul consultant, hein, donc jusqu'au plus haut niveau de l'entreprise. Trois, j'ai demandé les emails échangés par tout ce beau monde pendant la période 2003-2005. Et quatre, j'ai demandé un rapport d'audit qui avait été fait par la direction de l'audit d'Alstom qui me disculpait sur cette affaire. Je vais tester un peu votre éthique là. Demain, vous êtes PDG d'un grand groupe comme Alstom. Vous avez un de vos gars qui vient de se faire arrêter pour des affaires de corruption. Il est en prison. Il vous demande que vous lui transfériez des documents pour qu'il puisse se défendre. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous allez lui transférer les documents pour qu'il puisse se défendre et pour qu'il puisse éviter peut-être de longues années de prison? Ou est-ce que vous allez rien transférer? C'est assez binaire, hein, comme choix. Hein. Ouais, c'est toujours des choix binaires dans ces affaires-là. Qui transfère les documents? Même si ça risque de vous revenir en boomerang, même si ça risque de mettre à mal ou d'incriminer d'autres personnes qui sont de votre organisation qui ne sont pas encore arrêtées, même si ça risque de lui transmettre des documents pour qu'il puisse céder, ça va mettre en péril peut-être des membres de votre COMEX, peut-être vous-même, peut-être d'autres directeurs qui ne sont pas encore arrêtés. Est-ce que vous êtes sûr que vous avez vraiment transféré des documents à votre GAC pour qu'il puisse se défendre? C'est un sacré dilemme du prisonnier. Non, mais attendez, là, on parle de l'éthique des... Je vais vous dire, vous ne ferez rien. Vous ne transférez rien. Non, vous ne transférez rien. Donc vous allez laisser le gars se défendre tout seul sans aucun document pour qu'il puisse se défendre. Et si vous ne lui transférez rien, il ne pourra pas se défendre, bien évidemment. Vous ne lui transférez rien parce que celui qui dirige votre boîte, c'est qui, d'après vous? Lorsque vous êtes sous enquête comme ça, qui dirige votre boîte? Qui? Non. Non, même pas. Presque. Celui qui dirige votre boîte, c'est le cabinet d'avocats que vous avez embauché pour vous défendre vis-à-vis des autorités américaines. Vous devenez une entreprise zombie. Vous pensez que vous êtes une entreprise, mais vous n'êtes plus une entreprise. Celui qui va diriger, qui va décider de vos faits et gestes, est le cabinet d'avocats qui vous représente vis-à-vis des autorités américaines. Il va vous dire, vous devez coopérer avec la justice américaine, sinon on vous arrête tous. Et donc vous faites exactement ce que je vous dis. Et vous devez montrer que vous coopérez avec la justice américaine, donc vous ne transférerez rien à ce monsieur qui vient de se faire arrêter pour qu'il puisse se défendre. Et en fait, vous ne décidez plus rien. Vous ne décidez plus rien dans votre boîte. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Moi, je fais souvent ce genre de formation dans des cabinets, dans des fonds de private equity. D'accord ? Parce que je me suis dit, au début, il faut sensibiliser ceux qui mettent du fric dans les boîtes. Quand même. C'est quand même eux qui peuvent, c'est quand même leur argent au bout du qui est à risque.
Et le conseil, moi, ce que je donne, c'est que lorsque une entreprise est sous enquête comme ça, si le PDG a des pressions externes, et c'est souvent le cas parce qu'il était peut-être là depuis 5 ans, 10 ans dans la boîte, il faut tout de suite le changer. Il faut tout de suite le changer et lui mettre quelqu'un qui n'a pas de la pression personnelle de pouvoir potentiellement aller en prison. Parce que sinon, vous ne pouvez pas prendre des décisions dans l'intérêt de votre entreprise. Vous devez prendre des décisions dans votre propre intérêt. Et ça, c'est complètement différent. On vous apprend à l'école, d'abord, lorsque vous êtes PDG d'une entreprise, d'abord, c'est les actionnaires, ensuite, c'est les PDG, ensuite, c'est le COMEX. D'accord? Dans votre ordre de priorité. Mais quand il y a, dans la vraie vie, quand il y a un vrai, vrai problème, c'est inversé. C'est d'abord vous en premier et après le reste. C'est vous, vous évitez d'aller en prison. Journaliste et chercheur au CR 451, Ali Laïdi a disséqué finement ce processus stratégique dans un ouvrage de référence, Le droit, nouvelle arme de guerre économique, comment les États-Unis déstabilisent les entreprises européennes. C'est-à-dire que les Américains ont construit un droit qui leur permettait d'agir à l'extérieur des frontières américaines sur des crimes ou des délits qui avaient lieu à l'extérieur des frontières américaines, qui ne concernaient absolument pas les États-Unis, mais qui leur permettaient de frapper un certain nombre d'entreprises soupçonnées soit de faire de la corruption, soit de violer la loi américaine sur les fameux embargos contre les fameux États, les rogue states, les États voyous. Et donc ça leur permettait aussi d'avoir une vision sur l'ensemble des entreprises du monde. Et moi, je pense que l'intérêt des sanctions américaines secondaires, donc qui visent les entreprises étrangères dans le monde, c'est pas tellement de leur filer des graves amendes. Alors, Alstom a eu 700 millions de dollars d'amende, BNP 9 milliards. C'est pas tellement l'argent qui compte. Ce qui compte pour les Américains, c'est d'obtenir un maximum, de siphonner un maximum d'informations stratégiques via ces entreprises qui sont mises sous enquête interne dirigée par un procureur américain. Et pendant ces enquêtes internes, qui peuvent durer de 6 mois à 3 ans, évidemment, bah on siphonne un maximum d'informations. Dans le cas d'Alstom, c'est la concordance des faits qui est étrange, c'est-à-dire qu'Alstom est condamné à 700 millions un peu plus de dollars d'amende pour faits de corruption en Asie. Et en même temps, mais vraiment à quelques jours près, hein, Alstom vend sa partie power à General Electric, lequel General Electric, dans un document qui a été fourni lors des auditions de la commission de l'Assemblée nationale sur cette question, d'Olivier Marleix, montre bien que ça faisait des années que General Electric réfléchissait à la manière de prendre cette partie d'Alstom, donc Alstom Power. Et dans cette réflexion, il y avait bien dit, écrit qu'un jour, Alstom tomberait pour corruption. Et dans ces cas-là, la proie serait tellement faible qu'il ne serait pas difficile pour GE, General Electric, de récupérer Alstom. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé. Et ceux qui creusent, toi, tu creuses. Et on voit que ça ne peut pas être une loi qui va concerner les entreprises. Ce truc-là, c'est forcément un rapport de force. Et si tu dis pas, bah Boeing, tiens, bah, on va vous taxer 15 milliards, là, ça s'arrêtera jamais, en fait, ce truc-là. Alors, ça s'arrête le moment où une entreprise, et on a vu ce cas-là, il y a deux ans, une entreprise a refusé. Européenne a dit non, on ne va pas jouer votre jeu de l'enquête interne. On assume, on va en justice. Et là, les choses changent. Je vous l'ai dit, la Cour suprême américaine n'est pas chaude vis-à-vis des prétentions extraterritoriales de la loi américaine. Elle n'aime pas trop la manière dont l'administration de la justice américaine actionne ces lois-là. Et donc, cette entreprise a dit non. C'était sur un marché au Mozambique de vente de frégates, soupçons de corruption, etc. Elle a dit non, je ne vais pas jouer le jeu. Elle est allée en justice et devant un tribunal a obtenu gain de cause. À l'unanimité du jury, les Américains ont estimé que les États-Unis n'avaient rien à faire dans cette histoire. Que si corruption il y a eu, peut-être, mais c'est en dehors des frontières des États-Unis et donc on n'avait pas à s'en mêler. Donc vous voyez que tant qu'on a peur du rapport de force, qu'on n'ose pas et qu'on coopère, il n'y a pas de solution. Quand on assume le rapport de force, il est possible que. Et oui,
L'affaire dont parlait Lady vient d'être racontée dans le Traquenard, en collaboration avec le journaliste Erwan Seznek, Jean Boustany, qui va connaître la prison et la pression du DOJ, raconte comment il a réussi à se sortir de ce piège américain. En exclusivité, vous trouverez un document inédit sur le site de l'École de pensée sur la guerre économique, epgu.fr, à savoir les comptes rendus d'audition du procès remporté par Jean Boustany contre le DOJ devant la cour du district Est de New York. Pour aller plus loin, donc à voir et revoir La guerre fantôme, documentaire de David Gendreau et Alexandre Lerêtre, Le piège américain de Frédéric Pierucci avec Mathieu Aron, avec sa version en bande dessinée, avec Hervé Dufault, l'ouvrage de référence d'Ali Laïdi, Le droit, nouvelle arme de la guerre économique, l'article que j'ai coécrit avec Olivier Coussy dans le numéro 285 de la Revue française de gestion, Extension du domaine de la prédation, la vente d'Alstom à General Electric, et bien entendu, le traquenard de Jean Boustany et Erwan Seznek. Enfin, n'oubliez pas, les seules batailles perdues sont celles qu'on ne mène pas.